C'est bon? Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Pauline Rivière, je suis journaliste au Connecteur. Et donc, le Connecteur, avec Corentin, Chloé, Lola et Véronique qui n'est pas là, est un média sur l'innovation et l'entrepreneuriat en Auvergne. Nous, comme le nom l'indique, le Connecteur, on aime bien connecter les gens. Et on aime bien le faire notamment avec des apéros, d'où le copéro de ce soir. L'objectif de ces événements, les copéros, c'est justement d'essayer de rassembler les acteurs de secteurs qui ne sont pas forcément ultra identifiés encore sur l'Auvergne, des secteurs émergents. On a pu le faire sur le jeu vidéo, on a pu le faire sur la blockchain aussi. Et pour faire ça, en fait, on fait un petit travail de fourmi où on va sur LinkedIn, on met gaming Clermont-Ferrand et on regarde tous les gens et on commence à harcèlement bienveillant en leur disant ça serait vraiment bien que vous veniez pour ce copéro, ça serait vraiment bien parce que vous êtes important et on a envie de rassembler toutes ces personnes-là. Pourquoi ? Parce qu'on pense aussi qu'à travers ces événements-là, ça permet de favoriser les rencontres, d'échanger, peut-être de découvrir des personnes que vous ne connaissez pas. Et on se dit que c'est par les personnes que finalement les projets peuvent se réaliser. Le format, il est quand même assez informel. C'est trois petites présentations de 10 minutes d'initiatives qu'on a identifiées. Après, il y a ce qu'on appelle ça s'appelle un micro ouvert, quoi. On n'a pas inventé le concept, mais qui permet à chaque personne ici de faire passer une actu pendant une minute, de faire passer un message aux autres personnes qui sont présentes. Donc, il suffit de venir là et vous avez une minute pour faire passer des messages. Et après, moi, un coup. Donc format assez simple, les pizzas devraient arriver, donc j'ai mis mon téléphone sur on, il y a moyen qu'on nous appelle à un moment donné pour qu'on aille les récupérer en bas. Et aussi petite nouveauté qu'on n'avait pas fait il y a 2-3 ans quand on a fait le premier copéro, c'est pas flagrant, là où il y a les casques où tout le monde a laissé ses affaires, et ben en fait là ça va être après le studio où en fait on fait un petit format qui s'appelle la double minute chrono. L'objectif, comme on est un média, c'est de montrer toutes les entreprises et tous les acteurs d'un secteur. Et donc, vu que vous êtes tous là, on fait de l'interview à la chaîne. 2 minutes, 3 questions, on vous pose des questions, on enregistre et puis après, on diffuse sur nos réseaux. L'objectif étant de montrer que oui, même si on n'est pas à Lyon, il y a plein de choses qui se passent au niveau du gaming sur l'Auvergne. Et juste petit point aussi, vous êtes là aussi parce qu'on vous a rencontré, qu'on vous a trouvé super sympa. Et donc, c'est gaming au sens large. Il y a Overbrick, bonjour, par exemple, là, on est sur plutôt. On n'est pas sur du jeu vidéo, mais on les a croisés à la Clermont Geek Convention. On a trouvé qu'ils faisaient des super choses aussi. Et donc, c'est aussi par les rencontres qu'on finit par inviter des nouvelles personnes. J'ai terminé pour cette première partie de monologue. Donc ce soir, on va écouter trois initiatives plutôt très sympathiques. La première, je vais laisser Marine en parler, puisque après elle a un événement juste en dessous. Et puis après, on pourra, vous pourrez poser quelques questions si vous le souhaitez. Et puis on enchaînera avec le deuxième et troisième. Et puis voilà, quoi. À peu près, je vais arrêter là. Et du coup, Marine, tu mets là où il y a la petite tache. Oula, c'est précis. Voilà, c'est pas nous qui l'avons. D'accord. Et donc, tu as 10 minutes pour nous raconter ce projet complètement incroyable. Et go! Allez, top! Donc, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle donc Marine Magenti. Je suis responsable communication au sein de la fondation Institut Analgésia. Alors, Institut Analgésia, c'est quoi? C'est une fondation de recherche dédiée à l'innovation contre la douleur. On est basé à Clermont-Ferrand parce qu'on est situé à proximité d'une des plus grosses équipes de chercheurs qui travaillent dans ce domaine. Et donc, comme vous l'avez entendu, une fondation derrière pour concrétiser des projets qui vont servir aux patients douloureux chroniques, améliorer leur quotidien, leur donner des clés pour s'en sortir, parce que la douleur chronique, c'est pas forcément une maladie, ça concerne des pathologies différentes, hein, l'arthrose, le mal de dos, la migraine,
les céphalées, la fibromyalgie, l'endométriose. Et donc les patients ont besoin d'outils qui leur permettent d'améliorer leur quotidien. Et donc nous, notre objectif, c'est d'aller chercher des fonds pour mener à bien nos projets. Et on a notamment beaucoup de projets qui s'intègrent dans la santé numérique et notamment des applications d'accompagnement. Et donc qui dit recherche de fonds, on s'est posé beaucoup de questions. On a des mécènes, des entreprises de la région, mais aussi au niveau national qui nous aident à financer ces projets. Mais on souhaitait aller vers une cible plus jeune, grand public. Et donc, on s'est posé pas mal de questions. On a fait un petit peu de benchmark. On est tombé sur l'événement Z-Event, qui est quand même un super exemple. Mais on n'avait pas la prétention de faire aussi bien qu'eux. Mais en tout cas, on voulait se lancer dans ce domaine-là parce qu'on a vu que les communautés en fait, autour des streamers étaient très engagées. Et on avait aussi des streamers, notamment deux, qui sont venus vers nous pour nous dire qu'ils étaient douloureux chroniques et qu'ils voulaient nous aider. Donc on s'est dit, bon, il faut qu'on creuse la piste. Et donc on a décidé de se lancer et d'organiser en 2021 la première édition de l'événement E-Live. Donc c'est un événement qui est organisé par la Fondation et pour la Fondation. Donc c'est un événement qui a toujours lieu au mois de juin. Sa particularité, en fait, c'est qu'on s'appuie sur des étudiants qui sont issus d'une école à Lyon qui s'appelle le Gaming Campus et qui nous accompagnent en tant qu'étudiants autour d'un projet qui valide notamment leur stage de fin d'études, qui nous accompagnent à monter chaque année l'événement E-Live. Alors E-Live, en quelques mots, c'est une trentaine de streamers en présentiel. Donc on l'organise à Lyon, au Pôle Pixel. Voilà. Et puis on a une cinquantaine de streamers à distance aussi qui participent à l'événement et plus d'une cinquantaine de bénévoles, donc que ce soit les étudiants mais aussi des professionnels du domaine qui nous accompagnent en tant que bénévoles sur cet événement. Et donc cette année l'événement a lieu les 14, 15 et 16 juin prochains, toujours à Lyon. Et donc voilà, on espère faire grimper la cagnotte d'année en année. Ça a été un beau succès en 2021. Tu me dis si tu veux que je passe. Oui, je le ferai après. D'accord. Okay. plus de 80 000 euros en 2021, 150 000 euros en 2022, 140 en 2023. C'est des très belles sommes qui nous permettent de vraiment faire avancer nos projets qui bénéficient directement aux patients douloureux chroniques. Donc c'est l'événement phare pour nous sur l'année, qui nous mobilise beaucoup, notamment sur ces derniers mois. Voilà. Donc voilà, je vous ai un petit peu illustré les moments phares l'an dernier de l'événement. Et en plus, voilà, comme je vous le disais, ce qui est chouette, c'est qu'on a de plus en plus de patients douloureux chroniques qui nous suivent via l'événement E-Live, notamment des jeunes patients. Et puis on a des streamers douloureux chroniques aussi qui sont hyper engagés, donc du coup qui mobilisent plus facilement leur communauté et qui parlent de plus en plus de la douleur chronique. Et ça, c'est chouette, nous, en termes de sensibilisation à cette cause qui est assez peu connue. Voilà. Oui. Voilà quelques chiffres clés sur l'édition 2023 dont je vous laisse prendre connaissance. Et donc, ce soir, on est là aussi, nous, Turing 22, pour lier justement l'Institut Analgésia et E-Live. On fait une conférence, donc dans l'auditorium en dessous, qui s'appelle « Ma douleur au quotidien », où on a convié deux streameuses, Lily Conjo, une clermontoise, peut-être que vous connaissez parmi vous, et Even Fox, qui est une streameuse parisienne, qui souffre de douleurs chroniques et qui vont nous parler de leur quotidien. Voilà, aux côtés d'un animateur qui s'appelle Jean Pat, notamment qui a travaillé pour Game One et Webedia, voilà, qui va animer cette conférence tout à l'heure, donc en présentiel, mais aussi que vous pouvez suivre sur la chaîne Twitch de Live. Voilà, si vous voulez vous faire un petit coucou en fin de conférence, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc rendez-vous les 14, 15 et 16 juin prochains pour suivre Live. Attention. Petite question, j'ai dépassé de la tâche. Parce que tu dis ça se passe à Lyon, là il y a une communauté aussi, de quoi est-ce qu'il y a besoin? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de quelque chose? Quels sont, par rapport à la communauté d'ici,
les attentes Alors, bah, nous, on fait appel chaque année à des bénévoles. Donc, on est en train de construire nos pôles. On a un pôle communication, un pôle créa, un pôle talent, un pôle tech, logistique. Toute aide est la bienvenue. Hein, si vous avez des compétences et que vous souhaitez joindre une super, on va dire, communauté, organisation à nos côtés. Voilà, nous, on est un peu chef de projet Institut Analgésia, mais on a besoin voilà, d'acteurs et professionnels du domaine. Toute aide est la bienvenue. On vous accueillera avec plaisir. C'est une chouette équipe. Voilà. Et puis, bien sûr, bah, de faire parler de l'événement. On a besoin aussi de partenaires, que ce soit technique, de relais au niveau des médias, de mécènes aussi, hein, pour nous aider à financer cet événement. Parce que certes, on collecte une belle somme, mais on a aussi un coût, hein, des infrastructures. On héberge les streamers, tous les bénévoles, donc ça a aussi un coût. Donc voilà, toute aide est la bienvenue. Je peux faire appel à votre, voilà, à votre réseau, si vous le souhaitez. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question, des remarques, des interrogations sur ce projet-là? N'hésitez pas à poser, elle est là. Et puis après, elle n'est plus là, quoi. Donc, en dessous. Voilà, elle sera en dessous. Et petite question, justement, oui. Comment est-ce que... Enfin, vous êtes allé frapper à la porte de Gaming Campus. Du Gaming Campus, tout à fait. Ils ont dit, ok, on y va. Oui, oui, on y a été, j'aime pas trop dire ça, mais un petit peu au culot. Enfin, on s'est dit qu'on devait, voilà, nous, Institut Analgésia, on est dans nos recherches, nos projets autour des patients, des chercheurs, etc. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on soit accompagné de professionnels du domaine. Et en fait, on a pensé, voilà, en cherchant, pareil, sur LinkedIn, des écoles de gaming... Et on a tapé en fait à la porte de la directrice qui nous a accueillis les bras ouverts en disant ah, mais c'est un super projet, ça peut faire l'objet d'un projet sur les étudiants, c'est de la gestion de projet, d'événements de gaming au sens large. Et donc ils ont dit oui tout de suite et la première année on a eu plus de 30 étudiants, donc une belle logistique RH organisée, mais tout le monde est, voilà, c'est formateur, il y a une idée de transmission et de formation derrière aussi. C'est ce qui fait un peu notre particularité par rapport à d'autres événements de gaming et qui fait qu'il y a certains streamers qui vont plus venir sur un événement comme le nôtre que d'autres. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup, bah, merci, Marine. Merci à vous pour votre écoute. Très bien. Merci. Ah oui, hop, c'est j'en le moment. Vite, hein. Bravo pour ce magnifique passage. Merci beaucoup. Donc oui, live event pour relayer le 14-15 juin. Vous aurez toutes les informations et de toute façon, on vous enverra, on vous enverra toutes les infos. Tu n'avais pas rempli la petite fiche. Eh ben, on fera la petite fiche parce que l'objectif des petites fiches que vous avez remplies, ah, j'ai oublié de le dire ça, c'est en fait pour que bah, déjà vous sachiez qui sont les personnes présentes parce que souvent dans des événements, on a tendance à aller vers les gens qu'on connaît et on se dit, ben, le 3 jours après, oh, c'est dommage, il y avait un tel ou une telle et ça aurait été tellement bien de lui parler à cette personne. Donc ça, c'est pour éviter de passer à côté de la bonne rencontre. Et on voulait aussi vous solliciter, et ça sera pendant le temps de l'apéro, on essaye de faire une cartographie de l'écosystème du gaming. Donc on va chercher des petits logos, on les range dans sur une petite feuille et on essaye de mettre tous les acteurs. Elle n'est pas du tout complète, la dernière fois qu'on l'a mis à jour c'était en 2021, on a rajouté 2-3 trucs. Donc si vous voyez des gros manquements, n'hésitez pas à venir nous voir aussi au moment de l'apéro pour dire non mais là il faut vraiment rajouter parce que c'est un incontournable. Donc merci beaucoup. Le fait que click to exit presentation, ok. Là pour la deuxième présentation, c'est Christophe. J'ai pas mes lunettes donc je ne sais pas où, voilà, qui est là. Christophe, il était déjà là en 2021 mais en visio, ce qui était sur un tout petit écran comme ça. Ce qui n'était pas complètement optimal. Et sans le savoir, en plus, il y a des étudiants de Christophe qui sont également là. Il va juste présenter la formation qui est sur Vichy, de Game Developer du BUT MMI. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il le fera bien mieux que moi. Voilà, pour découvrir justement ce qui se passe. Ah ouais, non, ça, c'est pas le bordel. voilà. Pareil dans ma tête.
Du coup, on va plutôt faire différemment. Je remets. Hop. Et en attendant que Christophe puisse envoyer la presse, on va laisser l'équipe. Oh là là, j'ai toujours pas. UCA Gaming Festival. Venir. Donc vous êtes nombreux, donc venez. Pour parler de cette initiative-là. Oui. Ah oui, pardon. Voilà, dans un petit. On se fait prêter du matériel. Ok, très bien. Donc là c'était, bon je suis plus dessus mais c'est pas grave, c'était une autre initiative qu'on avait envie de mettre en avant parce que c'était plutôt un gros truc qui se passe sur Clermont-Ferrand. Donc on va laisser la parole à Alban, Léa et Thomas pour présenter la première édition de l'UCA Gaming Festival. Je suis devant. Mais non, c'est pas grave. Non, c'est pas du tout important. Pourquoi en fait vous avez monté ce projet? Comment ça s'est passé? Quels étaient les résultats? Qu'est-ce qui va passer après? Bref, vous avez totalement la main. C'est votre moment. Et go. Bonjour à tous. Je reconnais quand même pas mal de têtes. On connaît déjà. On se voit toujours un peu dans tous les milieux différents. Je m'appelle Thomas Munoz, je suis délégué départemental e-sport Puy-de-Dôme et Allier chez Francisport depuis très peu parce que l'antenne elle a été montée en janvier et je fais de l'événementiel, je travaille au Zénith, on fait de la com, on fait de la mascotte, on fait un peu de tout globalement et on a fondé l'année dernière Clermont Auvergne e-sport qui a pour but de développer l'e-sport sur le territoire clermontois et les sites territoriaux, donc ça on a englobé un peu l'Auvergne en globalité et la région qui arrive par la suite. Et donc suite à cette création, on a voulu marquer le coup en créant un bel événement, un gros événement qui fédère un peu tous les acteurs du métier au niveau de l'e-sport. C'est vrai que nous, du coup, on est plus arrivé de la façon où on fait plus de l'e-sport que du gaming. Bon, c'est étroitement lié, mais globalement, pour faire un petit exemple, c'est que le gaming, c'est on va faire un foot avec des potes en prenant un ballon et il n'y a pas de contrainte et l'e-sport c'est celui qui s'encadre et qui se structure pour faire une pratique récurrente soit dans un club soit dans une structure, donc vraiment faire un beau métier. Et donc on s'est rapproché du coup de Alban et Léa ici des différents BDE de l'université pour monter avec eux un projet qu'on a nommé du coup l'UCA Championship au début et ensuite l'UCA Gaming Festival qui s'est déroulé en novembre 2024. Et on est venu, on a formé un comité d'organisation et on leur a laissé la main. Je te laisse continuer, c'est toi qui gères la suite. Et du coup, il y a Thomas qui est venu nous voir en septembre 2022 pour lors des portes ouvertes de l'UCA. Il nous a contacté un peu toutes les assos étudiantes, notamment celles des IUT informatique, réseau et télécom, aussi du coup Sigma Gaming ainsi que le BDE de l'ISIMA et Enigma, donc les licences maths. Et on a monté un petit comité d'organisation pour du coup cet événement, ce gros événement étudiant, avec une personne de chaque association. C'est du coup un événement qui est une grosse LAN, donc une compétition de jeux vidéo pour les étudiants et du coup réfléchie par les étudiants. Tous les mois à peu près, on avait des réunions un peu sur ce sujet-là, on essayait de réfléchir, on avait un channel Discord sur lequel on prévoyait l'événement. C'était les étudiants qui... Enfin, Thomas nous apportait des idées. Nous, les étudiants, on faisait les choix techniques. Enfin, les choix. Et après, Thomas se chargeait de mettre ça en technique avec, du coup, tous les acteurs du métier avec qui il avait les connaissances. C'est, du coup, un événement qui a été beaucoup subventionné, notamment par l'UCA, par tout ce qui est subvention étudiante. La première édition s'est donc tenue le... 11 novembre 2023. Donc on a mis plus d'un an à organiser ça. On a regroupé à peu près 400 joueurs, à peu près 2000 participants, avec 8 jeux, je crois. Ouais. On avait League of Legends, Valorant, Rocket League, Trackmania, Clash Royale, Smash Bros, ainsi que Mario Kart. On est vraiment content de ce qu'on a pu organiser pour cet événement-là. On espère qu'on va pouvoir le refaire cette année. On est en train d'y réfléchir. Un truc encore plus gros, deux fois plus gros si possible, et puis on croise les doigts quoi. Voilà,
gros challenge du coup qu'on se lance encore une fois, parce que c'est vrai qu'on un event purement e-sport, une LAN de cette envergure là à Clermont-Ferrand, ça, c'était compliqué au début, on a passé plein de barrières, on a rendu l'event réalisable parce que bah, forcément comme je travaille dans l'événementiel et toutes mes équipes aussi, ça nous a permis de débloquer des partenariats et créer de la confiance avec tous les autres partenaires bah, pour investir et créer l'événement ensemble, et ce qui a permis de, bah, de faire de ce qui est devenu l'UCA Green Festival. Et aujourd'hui, bon, bah, le gros challenge qu'on s'est mis cette année, on est en train de le réfléchir, c'est de faire deux fois plus gros. Donc bon, deux fois plus gros, ça nécessite deux jours, des nouvelles infrastructures, des nouveaux jeux, de la nouvelle communication. Enfin, vous entendrez forcément parler si vous êtes sur Clermont et autres d'ailleurs, parce qu'on va bouger énormément dans la région. Donc, et puis, moi, je fais le lien avec les bénévoles, mais on a eu 150 bénévoles pour l'événement, énormément d'étudiants mobilisés, dont bah, Léa, oui, qui nous a rejoints. Donc bonjour à tous et toutes, je vais insister un peu là-dessus parce que c'est vrai que mesdames, on vous a un peu oublié en début d'introduction, mais je tiens à rappeler quand même que notre place est quand même importante dans l'univers du gaming. Donc c'est vrai qu'en tant que bénévole, j'ai pas insisté sur le fait d'être féminine, mais quand même ça a été beaucoup encadré, on a été très plaisir à vraiment mettre en avant l'événement, que ce soit auprès des visiteurs, auprès des partenaires qui nous ont accompagnés, aussi auprès des joueurs, auprès des familles, etc. Vraiment de rendre ça convivial et pas que pour les joueurs autour, parce que bien sûr les gens viennent pour les joueurs, mais aussi il y a un énorme côté public et visionnage à prendre en compte. Donc moi maintenant je vais axer ma prise de parole sur quand même les femmes, parce que c'est vrai qu'on n'est pas très nombreuses ce soir, et quand même ben, voilà, c'est important de mettre en place. Donc notamment il faut mettre un peu aussi de la, enfin, ça apporte beaucoup d'une synergie de joie, de positivité dans un événement qui demande aussi beaucoup de stress en termes d'organisation, de planification, etc. Donc je trouve que c'est quelque chose à développer, qui se développe de plus en plus et qu'on essaie de plus en plus de prendre en compte et qu'on va prendre en compte pour les prochaines collaborations. Donc voilà, c'est tout. L'événement il vise à inclure tous les étudiants en tant que joueurs et joueuses, du coup, étudiants et étudiantes. Si on pouvait avoir bah, une mixité, parce que on a quasiment autant d'étudiants filles que d'étudiants garçons sur Clermont, ça serait le mix, ça serait le mieux pour la prochaine édition. Ouais, carrément. Que ce soit en termes de plateforme aussi, de jeux, de diversité aussi, de niveau, même si c'est pas le plus impressionnant à regarder à bas niveau, mais quand même voilà, prendre tout ça en compte, puis vraiment d'être inclus en tous, pour que les gens se reconnaissent un peu. Et pas la même question, qu'est-ce que, bah, donc il va y avoir une nouvelle édition, il semblerait, ou peut-être éventuellement, vous avez besoin de quoi, qu'est-ce que, ah bon, des bénévoles, mais oui, c'est quoi les besoins et les enjeux pour cette nouvelle édition quand on veut faire deux fois plus gros? Pas mal de choses, c'est vrai que ça nécessite quand même pas mal de points et surtout d'accès d'amélioration. Bah, déjà, on prend toute l'expérience qu'on a créée sur le premier event, qu'on va améliorer, et c'est vraiment l'idée de faire un event qui plaît à tous et qui est cool pour tous, qu'on connaisse l'e-sport ou qu'on ne connaisse pas. Donc ça passe par l'accueil de nouveaux partenaires pour l'événement, que ce soit les partenaires financiers, d'entraide, mineurs, tout type de partenaires, on traite avec eux, faut pas hésiter à venir nous voir pour ce genre d'event. Et surtout de la visibilité, venir déjà si vous connaissez l'e-sport de près, venez, vous allez adorer l'événement, et si vous connaissez de loin l'e-sport, venez quand même, vous allez découvrir et apprécier ce que c'est vraiment l'e-sport. Et c'est super impressionnant, le mot général qu'on a eu sur l'event, des gens qui ne connaissaient pas l'e-sport, c'est waouh, parce qu'ils découvraient, on avait installé une grande scène, ils sont arrivés sur l'événement, c'était très impressionnant de voir les joueurs en ligne. Bah, une LAN, ça paraît banal pour ceux qui connaissent vraiment le gaming. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand on arrive dans un événement, on voit tous les PC alignés, les joueurs, les structures, les coachs et tout ce qui encadre l'e-sport. Très impressionnant, donc je vous invite à venir. Et si vous voulez devenir partenaire de l'event de n'importe quelle façon, que vous voulez aider ou vous intégrer à l'événement, nous on est sur un pur produit local et on veut rester dans ce produit là. Donc n'hésitez pas à venir, à nous envoyer un message aux différents étudiants, au BDE, à Clermont Vernis Sport, il n'y a pas de problème. Et petite précision, justement en termes de matériel, comment on trouve, enfin vous avez loué du matériel, comment est-ce qu'on loue du matériel et est-ce qu'on a, enfin, on trouve, ouais, sur Clermont pour un événement comme ça? Non, c'est vrai que Clermont ça paraît petit, mais en fait on y trouve tout globalement. C'est que tous les acteurs professionnels qui sont venus participer à l'événement, donc que ce soit informatique, réseau, scénique, on les a trouvés de Clermont, donc via les contacts événementiels aussi qui ont beaucoup joué.
On a mobilisé beaucoup de matériel, on a cassé beaucoup de prix. D'ailleurs, j'en remercie, il y a sûrement des partenaires ici qui ont vraiment joué le jeu pour la première édition, et merci beaucoup. Qui ont fait de la location, qui sont venus, qui ont compté beaucoup de temps. Pour vous dire un petit peu le parcours professionnel d'un prestataire à l'événement, c'était 15 heures par jour, non-stop, sans arrêter. Donc c'était très 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 actif. Puis c'est un événement qui bénéficie vraiment aux étudiants aussi qui s'investissent dedans. Les partenaires notamment qu'on a pu trouver pour cet événement. Nous pour l'association on s'en est encore servi. On a organisé une LAN bien sûr à plus petite échelle, on n'avait que besoin de 16 PC, mais on est re-allé voir les mêmes partenaires avec qui on avait du coup déjà une première porte d'entrée. Et puis c'est un événement qui permet de découvrir un nouveau milieu, un milieu qui peut plaire à certains. Pour les étudiants qui veulent s'investir dedans. Parce que c'est vrai que du coup l'enjeu, le backstage un peu de l'événement, c'était qu'on on a fixé du coup avec les BDE, mais aussi l'université, c'est que nous, Clermont-Vernisport, on avait ce rôle d'inclusion des étudiants organisateurs qui voulaient s'investir et créer l'event avec nous. Donc c'est leur bébé avant tout, mais aussi pour les partenaires qui sont venus et qui voulaient prendre contact avec les étudiants, on avait fait des listes et les partenaires comme les étudiants pouvaient rentrer en contact avec l'un et l'autre. Je pense notamment à Constellium, qui était partenaire majeur de l'événement. Eux, leur objectif, c'était de se faire connaître auprès des étudiants. Donc c'est chose faite. Ils ont eu beaucoup de candidatures avec eux, ils ont pu échanger avec les étudiants, beaucoup de recrutements. Alban, qui est ici justement, est chez Constellium maintenant. En alternance. Ça marche. Et en alternance. Donc on s'est vraiment donné dessus. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou d'autres choses à poser? Oui. Je m'avance peut-être un petit peu, mais pour l'année 2024, est-ce qu'il y a déjà un programme? Est-ce que si je viens en spectateur, est-ce que je sais déjà ce que je peux m'attendre à voir et à découvrir en cette session novembre? Est-ce que tu peux reprendre la question vu qu'on n'entendra pas? Alors le programme pour l'année 2024, c'est vrai que je fais pas souvent ça, moi je suis un geek dans ma chambre, alors j'apprends au fur et à mesure, mais du coup le programme 2024, je mentirais si je dis qu'il n'est pas encore défini parce qu'il l'est déjà, mais globalement ce qu'on peut retrouver en tant que visiteur lambda, on arrive sur l'événement, on voit une grande scène sur place, donc on voit une partie jeu, on voit une scène et on voit un village qui est posé sur le côté, donc les visiteurs peuvent aller à la rencontre des joueurs, rentrer vraiment en immersion dans l'e-sport, et aller au village, voir les partenaires, les prestataires, les animations. D'ailleurs, Thomas qui est là-bas, qui sera sûrement une animation, enfin pas lui-même, mais ses activités. qui seront là. Et en fait, le programme sur scène, il sera du début à la fin, donc dès l'ouverture de l'événement, de 9h. Bon, je lui donne un peu des infos, mais de 9h jusqu'au soir, plus ou moins tard, il y aura de l'animation toujours sur scène. Donc on peut y retrouver des compétitions nationales de différents jeux vidéo. On peut y retrouver des finales de l'événement en lui-même qu'on va faire passer sur scène. Donc les étudiants qui vont s'affronter sur Valorant, par exemple, le jeu est terminé, les finalistes, on les met sur scène, on crée toute une animation autour de ça. On peut retrouver aussi la venue de différentes notoriétés qui seront présentes sur l'événement. Donc avec une interaction avec le public, un jeu, différentes animations sur scène. Donc il y a toute une animation. En fait, si on s'assoit dans les gradins, globalement, il y a de l'animation du début à la fin. J'espère que j'ai répondu. Ouais. L'année dernière, en fait, j'ai cru comprendre que c'était essentiellement en fait, réservé aux étudiants. Est-ce que du coup, la version 2024, elle sera ouverte à plus de monde? Parce que du coup, vous parlez de deux fois plus de Sur le monde. Du coup, est-ce que ça sera libre en fait, pour les inscriptions? Ouais, alors du coup, l'année dernière, c'est vrai qu'on avait laissé. L'événement était accessible gratuitement à tous. Donc l'entrée était totalement gratuite et chaque personne, étudiants ou pas, pouvaient venir gratuitement. Les étudiants sur place, on leur a réservé tous les slots disponibles pour la LAN totalement gratuitement. C'est-à-dire que les étudiants sont venus et ils avaient clavier, casque, souris, PC, écran gratuitement. Ils n'avaient plus qu'à s'installer, se connecter et jouer. Et cette année, donc on passe de 400, encore une info, mais à 800 joueurs. Donc on augmente encore et on va laisser les inscriptions dans un premier temps pour l'université Clermont-Auvergne, donc on va limiter au maximum, donc ça englobe l'UCA mais aussi tous les sites territoriaux, donc ça va aller jusqu'à Vichy, Moulins, Aurillac, en tout ils sont 7,
Et on va, dans un premier temps, limiter à ces étudiants-là en leur réservant des places. Et une fois que c'est le gros flux est passé, on lâche les inscriptions et tout le monde pourra s'inscrire. Voilà. De tout âge d'ailleurs, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense... Ouais. Est-ce que vous comptez faire un peu comme la Clermont Geek Convention? Vous avez invité principalement un petit peu des locaux sur la partie un peu effectivement bon, YouTube ou après streamer, mais est-ce que vous pensez faire un peu du local, ouais. Mettre en avant un peu le local aussi? Ouais, bah complètement, ouais. L'idée, c'est de favoriser aussi toujours le local à chaque fois en permanence. C'est ce qu'on a fait pour la première édition et c'est ce qu'on continuera à faire pour l'UCA 2. Et surtout au niveau des influenceurs, on savait que la première édition, en fait, on est parti de rien en termes de communication. Donc il y a beaucoup d'influenceurs qui sont venus nous voir par la suite en disant « Putain, j'étais pas au courant qu'il y avait cet événement-là. L'année prochaine, passez-moi un coup de fil et je serai là. » Donc ouais, on va déjà privilégier les acteurs locaux de notoriété sur Clermont et ensuite on va élargir par la suite. Une autre question ? De toute manière, l'équipe UCA Gaming Festival sera à votre disposition au moment de l'apéro. Je peux passer à un dernier petit mais point bien sûr, ouais, qui n'a rien à voir avec UCA Gaming Festival. Mais du coup, comme je suis délégué départemental de l'e-sport puis Dôme et Allier, et que là on est en plein recensement des différents acteurs locaux qui s'intéressent de près ou de loin à l'e-sport, hein. D'ailleurs ça peut être de l'événementiel, du gaming, étudiant, vous pouvez aussi vous inscrire en tant que personne intéressée par l'e-sport. N'hésitez pas à venir me voir, je vous recense, et comme ça on grossit les rangs un peu du département dans l'e-sport. Donc n'hésitez pas, ça serait, vous êtes vraiment les bienvenus. C'est tout pour merci vous. Beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'écran qui est devenu tout noir et qui n'a pas l'air de vouloir se remettre en route. Est-ce qu'il y a des gens qui maîtrisent ce type d'ordinateur? Enfin, de d'écran, parce que... Oh, ça marche. Merveilleux. Et donc, tu m'as envoyé par mail, c'est ça? Et oui. Je télécharge. Hop. Parce que j'étais en train de me dire, vraiment, j'aurai pas de chance si ça marche, tu vois. Donc, oui, mais attends, mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas possible. Oui, donc personne ne met, personne ne connaît. Je vais recommencer le. Ah bah oui, hein, je sais pas si c'est une histoire de PC. Croise les doigts. Je vais essayer d'être là. Si tu veux, je le fais. Oui. Et donc là, bah, l'idée c'était bah, encore une fois de laisser la parole à Christophe pour qu'il puisse présenter le nouveau BUT, enfin, nouveau, oui, si, le nouveau BUT MMI avec l'option Game Developer, et puis aussi bah, ce qu'il nous parle de ce qu'on y trouve, ce que les étudiants font, et de quoi vous avez besoin pour aussi bah, continuer de bien former les étudiants sur, bah, sur la région Auvergne. Donc, de la même manière, on parle bien fort, j'arrête, hop, et je relance. Go! Donc, bonjour à tous, moi je suis Christophe Rey, je suis enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne, je suis informaticien et je travaille à l'IUT Clermont-Auvergne au département MMI qui est situé à Vichy. Donc le département MMI, c'est un diplôme en 3 ans, c'est après le bac. Ah, on ne voit plus. Mais ça, c'est quand même un petit peu particulier. Moi, il y a un moment, en fait, ça me donne envie de pleurer, mais je ne sais pas bien quoi faire avec cette information-là. Ah, oh, c'est revenu. Alors, à mon avis, ça sera quand même 10 minutes morcelées. Hein. Il faut, voilà, résilience, Christophe. Donc c'est 3 ans après le bac, 2000 heures de formation, il y a 2 stages de 8 et 14 semaines en deuxième et troisième année, il y a des promos de 55 étudiants à peu près. Et donc c'est une filière qui est divisée en deux moments, une année et demie et une année et demie. Durant la première année et demie, les étudiants apprennent à développer des sites web, apprennent les bases de l'infographie, de l'audiovisuel, de la communication. Et puis à la fin de cette année et demie, ils choisissent entre 3 parcours. Donc il y a un parcours création numérique orienté audiovisuel, infographie, UX design.
un parcours strat de com, stratégie de communication orientée web marketing, réseaux sociaux et autres. Et il y a un parcours game developer. Et donc moi, je vais vous parler du parcours game developer puisque je suis co-responsable de ce parcours. Si tu veux. Bien entendu, je peux faire. S'il te plaît. Ah, j'ai tellement peur. Hop, là, c'est bon. C'est ça ? Donc voilà, c'est ça. Ouais. Donc l'objectif du parcours, c'est de former au métier de game developer, donc développeur de jeu, en donnant, si possible, un aperçu d'un peu toutes les facettes du développement de jeux vidéo, mais quand même orienté sur le développement, donc sur la partie informatique. Donc il y a de la programmation, de la création un petit peu, et puis de l'intégration. Donc les spécificités, c'est qu'on utilise comme outil Unity et Blender. Alors, bon, c'est un choix. Mais ça permet quand même de donner une bonne vision du métier, je pense. On essaie aussi de garder une composante web, parce qu'on est un département MMI, donc on a toujours cette partie un peu développement web. Donc on essaye, dans la mesure du possible, de relier le développement de jeu avec une partie serveur pour stocker des données de joueurs, des choses comme ça. Et puis ce qu'on aimerait bien, c'est introduire des cours sur les dispositifs interactifs, type réalité virtuelle, tenue de motion capture et autres. Donc on a comme horaire, en fait, en gros, sur les trois derniers semestres de la filière, à peu près 580 heures orientées jeux vidéo. C'est pas négligeable. Alors bon, je suis rentré un petit peu dans le détail. Donc il y a un tronc commun avec un certain nombre de matières. Et les matières de spécialité, donc on fait du TypeScript, de la programmation orientée objet, du PHP et qui permet de faire un peu d'algorithmique un peu plus poussé, quelques outils pratiques, Git, Shell, et puis un petit peu de game design et de développement Unity. Ça, c'est OS 4, donc c'est le début du parcours. Le S4 étant la deuxième moitié de la deuxième année. Voilà. Puisqu'il y a 6 semestres. Parce que moi, il m'a fallu du temps pour effectivement, cette information-là, genre bien 2 ans. Et donc, il y a deux projets qu'on appelle des SAE, bon, bref, c'est des projets pluridisciplinaires. Que les étudiants doivent faire durant ce quatrième semestre. Et puis après, donc, on passe au cinquième semestre, qui est le semestre le plus important en termes d'heures. Voilà, donc ça c'est le tronc commun. On va voir les enseignements de spécialité après, qui représentent 264 heures sur le semestre, et un gros projet orienté développement d'un jeu, pour Unity, sur 120 heures. Et puis le semestre 6 qui termine un peu le semestre 5 avec quelques heures de cours et surtout le stage. Et là, quand tu me fais un regard comme ça, je sens bien que voilà. C'est qu'il faut que je passe là. Bon, là c'est écrit un peu petit, je vais essayer de résumer. Ça c'est le contenu des S5 et S6 orientés game developer. Donc on a, alors ce qu'on aime, cette année on n'a pas tout à fait réussi à faire. Tu parles plus fort, oui, la musique, d'accord. Enfin, je sais pas, la main c'est en bas. Ouais. Non, je sais bien, mais on n'a pas vu qu'on nous accueille, dise la musique, c'est comme ça. Peut-être que Chloé, est-ce que tu peux quand même aller demander en bas si jamais il y a moyen de baisser la musique ? Merci. Donc, je vais essayer de parler plus fort, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, on a un peu d'intelligence artificielle orientée jeux vidéo. On a de la programmation mobile, on a un gros volume orienté développement de jeux sous Unity avec plusieurs aspects. On pourra en reparler après la présentation, hein, si vous voulez. D'ailleurs, Flavien, clairement l'intervenant, est ici, donc il vous en parlera mieux que moi. On a de la conception 3D, de la scénarisation interactive et du game design, et le projet. Et puis, ce qu'on n'a pas bien réussi à faire cette année, c'est à trouver des intervenants pour intégrer cette partie dimension serveur web, serveur de données. Mais il y a eu quand même quelque chose par rapport à ça au niveau du programme. Donc ça, c'est les intervenants extérieurs. Bon, donc il y a principalement des pros pour le S5 et le S6 pour tout ce qui est vraiment développement de jeu. Et puis sinon, on est deux collègues, donc Bruno Bachelet et moi-même qui sommes donc enseignants-chercheurs, qui commençons les cours au S4, mais on n'est pas là pour assurer vraiment la partie développement pur, puisqu'on n'est pas spécialiste du domaine. C'est ça, quoi. Alors après, donc dans ma présentation, j'ai mis quelques liens vers quelques vidéos. Alors, on peut peut-être regarder cette vidéo-là, en tout cas quelques moments. Alors, c'est un des jeux qui a été développé au S5 par des étudiants cette année. Bonjour à tous et bienvenue
Qui transcende les frontières du visuel et du narratif. Pendant ces prochaines minutes, nous allons plonger dans les différentes facettes de ce jeu. Dans notre histoire, vous incarnez un fan de parcours qui, après une chute dramatique, tombe dans le coma. Il est alors projeté dans son palais mental. Débutons avec les contrôles. Utilisez Z, Q, S et D pour diriger votre personnage. Sautez avec la barre espace et glissez avec la touche Shift. Ces mouvements fluides sont la clé pour naviguer dans ce monde. Découvrez les deux compétences. Le double saut, que vous pouvez effectuer en appuyant deux fois sur espace, ou le dash, qui se fait avec un simple clic droit. Ce choix détermine la trajectoire de votre aventure, il est irréversible et influence directement sur votre gameplay. Le défi est lancé avec notre chrono intégré. Mesurez votre agilité et vos compétences en essayant de terminer chaque niveau dans le délai le plus court possible. Le chrono ajoute une dimension stratégique, poussant les joueurs à s'améliorer constamment. Explorez nos niveaux développés avec soin, conçus pour s'adapter à différents styles de jeu. Chaque niveau offre des alternatives de chemin, défiant vos compétences et offrant une expérience de jeu unique à chaque joueur. Rendez-vous dans notre lobby pour vous entraîner. Vous y trouverez une IA qui patrouille. Elle offre des conseils utiles, bien que parfois mystérieux. La clé de la résilience, peut-être qu'elle se cache derrière ce mur. Ajoutons une couche d'interaction et d'intrigue à votre aventure. Même ma grand-mère fait ses courses plus vite. J'ai une grand-mère. Plongez dans une histoire captivante à travers des niveaux visuellement époustouflants. Chaque fissure dorée compte une histoire de résilience et votre parcours à travers le jeu révélera les mystères du Kintsugi japonais. Immergez-vous pleinement dans l'expérience avec notre audio exceptionnel. Oh merde, c'est con ça. La musique, une composition originale, vous accompagne tout au long du jeu, ajoutant une couche supplémentaire d'immersion à cette aventure artistique. En conclusion, Kintsugi Tracer n'est pas simplement un jeu, c'est une expérience artistique qui capture l'essence de la résilience. Chaque choix, chaque compétence et chaque niveau raconte une histoire unique. Attention, il y a un virage à gauche ou à droite. Peu importe, vous verrez bien quand vous y serez. Prêt à tracer votre propre chemin de résilience? Rejoignez-nous dans Kintsugi Tracer et embarquez-vous pour une aventure inoubliable. Bon, voilà, c'est un exemple. Bah, attends, donc, on les applaudit. Parce que là, c'est vrai. Hop, alors je remets parce que je l'ai perdu. Hein, maintenant, je ne sais pas où il est, c'est celui-là. On ok, alors, j'ai perdu mon timer parce qu'il est parti récupérer les pizzas. Donc on a tout le temps qu'on veut. c'est bon, tu peux passer. Ouais. Ah bah, si ça vous intéresse, il y a d'autres présentations. Ça, c'est OS4. On ne va pas les regarder, mais voilà. Ah oui, parce que là, en termes de timing. Et puis, on avait commencé déjà avec une petite option avant le passage au BUT. Et puis, il y avait des étudiants qui avaient fait deux jeux aussi. Je continue. Ah, mais de quoi a-t-on besoin? Et voilà, donc on a besoin de vous. Alors, on a besoin de vous pour déjà avoir un regard critique hein, potentiellement sur le programme, en fonction de vos besoins aussi. Parce que, bon, on aimerait bien être un peu plus lié au studio de développement, enfin à toute la communauté. On a des besoins, alors en développement web, ce n'est pas forcément vos spécialités, mais voilà, on cherche des personnes pouvant enseigner notamment les frameworks web, donc Symfony, React.js et autres, avec cet objectif de pouvoir lier un jeu fait sous Unity avec un serveur de données derrière. On aurait aussi envie de pouvoir développer quelques interventions sur ces dispositifs interactifs, donc motion capture, VR et autres. Donc on a quelques casques de VR, on a une tenue de motion capture au département, mais bon, pour l'instant, c'est un peu difficile de les utiliser vraiment. Si vous voulez nous parler, nous venir faire un séminaire sur un domaine lié à l'industrie du jeu vidéo et à votre expérience, ben ça serait avec plaisir. Et puis, des propositions de stage, si vous en avez, quoi, pour nos étudiants. Donc, les stages pour nos étudiants,
Alors en troisième année, là où ils sont vraiment le plus formés au développement, c'est d'avril à juin. Et puis en deuxième année, avant qu'ils commencent le parcours, donc c'est peut-être moins intéressant pour vous, mais ils ont des compétences plus développement web et audiovisuel. Là, c'est février et mars. Voilà. Donc après, n'hésitez pas à me poser des questions. Il y a 5 étudiants de la filière qui sont venus, qui sont ici, là, juste en face. Donc n'hésitez pas à les interroger aussi. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Alors il y a Blender, oui, on utilise Blender pour la création de 3D, c'est Blender qui est utilisé. Maya, non, je crois pas. Non, Blender et Unity, c'est vraiment les deux principaux outils. Côté jeu. Très bien, est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Pareil, quelques parenthèses. Alors, je ne sais pas du tout de... Pas du tout de Unreal Engine. Le moteur de jeu Unreal Engine. Unreal Engine. Bah, avec le volume horaire qu'on a, c'est compliqué de faire les deux. Mais par contre, ce qui serait sympa, ça serait de pouvoir faire une matinée sur ou une journée peut-être même sur en séminaire de découverte de l'Unreal Engine. Ouais, ça serait pas mal. Ça. Peut-être qu'on peut avoir un témoignage d'intervenant qui se met là. Parce que comme ça, on l'entendra éventuellement. Donc, juste pour compléter et répondre à ta question. Qui se met là, Oda, on avait parlé de cette petite tâche. Juste pour... compléter un peu la réponse. On ne voit pas Unreal Engine précisément, mais on fait quand même pas mal de parallèles avec Unreal Engine. Il y a quand même pas mal de choses. La philosophie Unity, la philosophie Unreal Engine, c'est pas tout à fait pareil, mais quand même dans le développement de jeux vidéo, globalement, c'est assez similaire. Surtout le côté shader, etc. Donc ça, on fait des grosses parenthèses sur le côté shader pour Unreal Engine et aussi Godot. Donc peut-être que l'an prochain, on verra un peu plus Godot. Et alors, petite question quand même pour donner envie, mais qu'est-ce que ça apporte dans la vie d'être intervenant dans un BUT MMI en chose complètement... voilà, il faut vendre le... Ça apporte surtout des belles rencontres avec des jeunes, parce que le temps file et on ne se voit pas vieillir, mine de rien. Et du coup, rencontrer des jeunes, voir à quoi ils sont confrontés, leur parcours, là où ils veulent aller, comment ils veulent y aller, ce qu'ils veulent faire aussi, parce que mine de rien, dans le parcours, il y en a plusieurs qui sont intéressés par le jeu vidéo. Il y en a d'autres qui sont intéressés plus pour le côté développement, pour le côté shader, pour le côté un peu plus artistique, etc. Mais qui ne sont pas forcément intéressés pour aller dans le game engine, enfin aller dans le développement de jeux vidéo. Donc voilà, ce que ça apporte, c'est surtout des belles rencontres. Merci. Je suis désolée, il y a le monsieur des Deliveroo qui voudrait vraiment que je lui donne le code. En bas, Pauline. Ah oui, c'est ça, le temps estimé, moins d'une minute. Wow. Excusez-moi. Rappelé, fermé. Oh mince, je m'y rappelais. 29 le code. 29 le code. Ok. 29. Merci pour cette solidarité. Là, on a eu les 3 interventions. L'objectif. Oui, pardon. Il y a une partie des pizzas qui sont arrivées. Éventuellement, on en aura sûrement une deuxième qui arrivera si on arrive à donner ce code. Mais avant, l'objectif, c'est la partie micro ouvert ou open mic, comme on dit. Si jamais, justement, vous avez envie de faire passer un message, faire passer une actu, vous avez une minute. Je pars mon téléphone parce qu'on est toujours sur le problème de la pizza. Mais voilà, vous avez une minute pour faire passer votre message. Vous vous mettez sur le petit rond et vous y allez tranquillement en autonomie. Je te laisse en autonomie, ouais. Je me décale. Pas de problème. Alors du coup, j'en profite parce que comme vous m'avez vu tout à l'heure, j'en profite pour démarrer. Donc je me présente, Flavien Clermont. Donc du coup, vous me connaissez comme l'intervenant MMI, etc. Mais à côté de ça, je suis chef d'entreprise. Donc j'ai créé mon entreprise en 2011 maintenant. C'est pour ça que je dis aussi, le temps passe très très vite.
Et on travaille principalement sur Minecraft en partenariat avec Microsoft. Et aussi, en parallèle, on est en train de développer notre propre jeu vidéo. Et du coup, je suis ouvert à la conversation pour toute personne qui serait intéressée pour travailler dans ce domaine-là, notamment sur le côté level design et le côté artistique, et notamment character design. C'est quoi le nom de l'entreprise ? Ah oui, l'entreprise qui est quand même un petit peu important, c'est BDCraft. Merci beaucoup, ça fait merci une minute. À vous. Merci. C'est quelqu'un qui veut passer un message ? Une actu, nous dire ce qui se passe dans sa vie ? Vas-y. Alors. Et. Je mets où sur la petite tâche. Je la vois pas. Là. Ouais, il y en a okay. plusieurs. C'est oui, ça. C'est pour ça. Bon, ben, bonjour tout le monde. Je m'appelle Benoît Bernard Angeletti et je suis donc le dirigeant du studio Grave Noir à Clermont-Ferrand, Grave Noir Studio. Et il se trouve que notre jeu, il est sorti mercredi dernier. Donc le 3 avril. Voilà. Et il est disponible sur Steam pour ceux que ça intéresse. Donc. C'est un Metroidvania, donc typé très rétro comme style, avec un petit peu de challenge, on va dire, pour ceux qui aiment rechercher la vraie fin des jeux. Voilà. On promet une dizaine d'heures à un hardcore gamer, voilà, donc s'il y en a dans la salle, on ne sait jamais. Et une éternité pour ceux qui ne le sont pas, bien sûr, ça c'est logique. Voilà. Donc, j'en profite tant que je suis là pour remercier donc, la CGC qui nous a accueillis pendant toutes ces années. Il faut savoir que c'est un projet nous qu'on développait en dehors de notre activité professionnelle principale. Et donc du coup, grâce à certains événements comme la CGC, ça nous a permis nous de rencontrer plein de gens, dont Pauline justement, voilà. Et aujourd'hui d'intervenir ici au Coopéro. Merci à tous. Quelques petites termes qui m'ont échappé, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut raconter oui. Et go. Bonjour, je m'appelle Elliot. Bonjour, je m'appelle Elliot. Je travaille sur Kima actuellement, qui a d'ailleurs gagné il n'y a pas longtemps un concours à la Clermont Geek. D'ailleurs, je remercie la Clermont Geek et le département d'avoir organisé cet événement. Et mon petit message, c'était pour savoir justement, j'ai cru voir qu'il y avait des streamers ou des personnes potentiellement liées à la communication. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez communiquer par rapport à mon jeu justement, qui est encore en cours de développement. Et voilà. C'est quoi comme jeu ? Enfin, je ne sais pas si c'est une question qui se pose, mais c'est quoi ? C'est une super bonne question. Et même c'est... si on peut vulgariser les terminologies, c'est idéal. Pour faire court, Kima, c'est un jeu à simulation de vie RPG. Très inspiré justement de Stardew Valley et Animal Crossing. Pour les gens qui connaissent, ça parlera un peu mieux. Et, et voilà. Bah, de toute façon, ça fait une minute. Quelqu'un d'autre ? Oui. Bah voilà, oui, je me remets toujours, c'est pour pas qu'il y ait une place vide. Et moi, je me fais gronder. Et go ! Bonjour, bah du coup je suis président chez Digital pour Pro Studio. On a sorti notre jeu vidéo en réalité virtuelle il y a quelques mois, Rise from Shadows. Et maintenant on cherche à étendre un peu nos activités, chercher des partenariats ou des collaborations et effectuer des prestations pour des entreprises dans la réalité virtuelle. Donc bah, n'hésitez pas à me contacter si vous pourriez avoir des pistes ou des tuyaux là-dessus. Quoi. Voilà. C'est large. Hein. Non, mais comment je t'appelle en fait ? Ah oui, Digital Pop Studio. Voilà. Bonjour. Parfait. En plus, c'est bloqué dessus. Quoi. Je visais la tâche. La, c'est la, celle-là la, ou c'est celle-là ? Non. Parce qu'une tâche sur une tâche. Ouais. Bonjour. Et go. Bonjour, moi c'est Arnaud, donc Arnaud C. Alors je fais pas des jeux vidéo, tout ça. Je suis plus youtubeur influenceur, donc j'ai une chaîne qui parle principalement de PC portable gamer. Donc j'ai tendance plus à conseiller, on va dire, mes abonnés sur quel produit choisir. Donc après, bah, c'est un peu plus si vous avez besoin un peu de communiquer pour ceux qui ont effectivement développé des choses, ça ne me dérange pas d'en parler sur ma chaîne. Alors pour l'instant, je suis un peu bébé là-dedans parce que j'ai 6700 abonnés à tout casser. Mais pour le peu de gens que j'ai qui viennent sur ma chaîne, qui viennent chercher des conseils, en fait, je me rends compte que je fais pas mal d'affiliation, bien évidemment, parce que le but aussi, c'est de rapporter un petit peu. Donc je conseille des produits, les gens achètent. Et généralement, sur tout ce que je conseille, j'ai pas mal d'achats qui aboutissent derrière. Donc ça veut dire que mes conseils plaisent et à la fin, j'ai des retours assez positifs. Donc voilà. N'hésitez pas à annoncer sur YouTube. Abonnez-vous. Et
qui veut passer un autre message? Oui, si, bien sûr. Et go! Bonjour, donc aujourd'hui je viens pas en tant que professionnel, je viens en tant que président d'une association La Collab, qui est un Fab Lab à Clermont-Ferrand. Donc si vous voulez venir, un Fab Lab associatif, 122 boulevard Étienne Clémentel, les mercredis soirs et samedi après-midi, vous êtes les bienvenus. On fait quoi dans un Fab Lab? Eh bien, on fait de l'impression 3D, de la découpe laser, mais chez nous on travaille le bois. Donc ceux qui veulent découvrir le travail du bois, on a toutes les machines de menuisier, mais aussi du numérique avec la fraiseuse numérique, les fraiseuses numériques. Donc vous êtes les bienvenus et venez sur notre site acolab.fr. D'accord. Donc vraiment, voilà, faites exactement comme William, c'est-à-dire que prenez la place. C'est cette petite tache noire. Bonsoir à tous, on se connaît déjà, on s'est déjà croisés. Je m'appelle William Brou, je suis professeur d'histoire-géographie. Je fais jouer les élèves aux jeux vidéo pour faire apprendre l'histoire et maintenant je leur fais fabriquer des jeux pour transmettre leur savoir et leurs connaissances. Donc j'ai une petite chaîne YouTube, quelques 20 000 abonnés. C'est rigolo. Non, l'idée c'est de faire de l'analyse de. Je fais de l'analyse de jeux vidéo historiques sur cette chaîne-là pour essayer de faire le vrai du faux, de faire voir le vrai du faux, de faire de l'analyse de la transmission, de la vulgarisation de savoir historique et de l'éducation aux jeux vidéo. Et les projets en cours, c'est de monter un cycle de conférences à Clermont pour faire jouer les gens aux jeux vidéo en même temps que je parle dessus. Donc je cherche éventuellement des partenariats, un lieu où faire ça, sachant que le cinéma c'est vraiment top de faire jouer un Assassin's Creed sur un grand écran. Et j'ai un projet de développement de jeux vidéo, donc si jamais ça peut intéresser des gens. Je travaille à ma bible à mon GDD. Voilà. Donc je suis à la recherche de personnes pour m'accompagner. Merci. Ouais. Tu vois que je te regarde en fait 12 fois depuis tout pas à l'heure. Je voulais pas. Et go. C'est où? Ah, la petite tâche, c'est là. Ok. Bonjour. Bonjour, moi c'est Ribi. Donc je suis créatrice de contenu maintenant depuis 3 ans sur les réseaux sociaux. J'ai au total plus de 100 000 abonnés. Donc, je suis étudiante à l'IAE à Clermont-Ferrand, à l'UCA, et cette année, j'entreprends en substitution de mon stage de M1 d'organiser un événement caritatif comme le e-live, mais sur Clermont-Ferrand pour la LPO Aura, donc la Ligue de protection des oiseaux d'Auvergne, et avec des acteurs régionaux pour Clermont-Ferrand, simplement. Et donc, tu as besoin de... J'ai besoin de mécénat, de partenaires, de visibilité. Et je suis ouverte aussi aux créateurs de jeux. S'il faut tester vos jeux en stream, il n'y a pas de souci. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Alors, c'est qui a plus de 100 000 abonnés, là? La petite tâche là, ce matin elle se repère celle-là. Là. Ouais, et go! Donc bonjour à tous, je m'appelle Dolivera Cassandra, je viens d'ouvrir une chaîne YouTube Arterium. Je dirai pas mon nombre d'abonnés parce que je suis nouvelle! Non, elle est vraiment toute petite et en fait je présente des arts atypiques et des artistes. Donc autant des artistes au niveau vraiment manuel, mais aussi du gaming, de la construction de PC gaming aussi qui va arriver bientôt. Donc ça c'est pour ma part et je représente aussi une autre personne qui n'a pas pu venir malheureusement, c'est Julien Lemaire, qui est modélisateur 3D dans tout ce qui est VR et map en général. Et lui, il est sous le nom de CréaCube, vous pouvez le retrouver sur plein de réseaux, et autant aussi sur Twitch. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut faire passer un petit message? Alors, s'il n'y a plus personne... Ah, pardon. C'est le moment... Il ne faut pas faire le timide, il faut venir. Sur cette petite tâche, toujours, la petite tâche là. On hésitait parce que on est en fait les débranchés de l'équipe. Vous êtes tous débranchés, vous êtes tous des souris, vous êtes tous des écrans. Nous, on est dans le jeu de société. On fait de la vulgarisation de jeux de société sur la chaîne YouTube Game Trotter. Je suis Julien. Et je suis Pierre-Louis, on a 17 000 abonnés. Notre objectif, c'est de présenter des jeux de société qui nous ont plu, des jeux de société qu'on essaye de critiquer. On essaye de faire ça de manière la plus simple possible pour que ce soit accessible
à la fin de la vidéo, normalement, vous savez si le jeu est fait pour vous ou pas. C'est notre objectif. De manière fun. De manière fun. On essaye de mettre du divertissement dans le jeu de société. Et la règle en elle-même, on la rend fun. Que ce soit pas chier. Merci beaucoup. Ça fait partie des gens qu'on croise sur les événements. On dit non, mais c'est pas grave, venez quand même, vous avez l'air vraiment trop sympa. Et donc, voilà. Viens. Hop là. Toujours cette petite. Et puis après, on boira l'apéro. Et go! Top. Bonsoir à tous. Bah, moi, je représente l'association Volcan Gaming. Donc, ça fait 4 ans depuis 10 jours qu'on est créé. On est là pour regrouper les passionnés de jeux vidéo autour de ce sujet-là. On fait des soirées membres, on fait tout ça. On a 80 membres dans l'association. On a animé par exemple la CGC, on a fait une animation avec Update Informatique pour enfin, tout un tas d'animations. On fait des animations Mario Kart dans les cinémas, on fait tout un tas de trucs comme ça. Et nous, ce qu'on cherche, c'est des gens avec qui partager cette passion. On a un Discord où on joue en ligne, on joue en physique, on fait des soirées membres tous les mois. Là, on a fait une soirée membre la semaine dernière. La semaine d'avant, on a été au basket avec Oops Factory parce qu'on fait des partenaires avec tout ce qui est Clermontois. Donc, on travaille avec Oops Factory pour faire des événements. Là, prochainement, on va faire des jeudis sport. Donc, c'est des événements de jeux vidéo les jeudis à Oops Factory. On essaie de faire un événement récurrent tous les mois. Et voilà, on crée des trucs petit à petit. Puis, on essaie de faire évoluer le gaming à Clermont avec nos petites mains. Voilà. Merci beaucoup. On a 800 abonnés. Et 800 abonnés. Bah oui, non mais. Très bien. Donc là, bah, l'objectif, c'est si plus personne ne souhaite la parole, prendre la parole. L'idée, c'était donc de boire un coup et de manger des pizzas. Donc on est quand même sur un mode collaboratif, hein, c'est-à-dire qu'on va sortir les bières et les jus de pommes et les pizzas, et après il y aura une sorte de petite action de votre part pour que ça arrive, hein, c'est-à-dire que vous ayez un verre et une tranche de pizza, il faudra le prendre vous-même. On va afficher aussi la carto qui est donc complètement pas à jour, et si vous voyez qu'il y a des manquements, pourquoi si vous voyez qu'il y a des manquements, merci de nous le dire. On mettra des petits copier-coller de logos, parce que le but, c'est de pouvoir diffuser dès demain justement une carte augmentée pour montrer justement qu'il y a de plus en plus d'acteurs dans ce secteur sur l'Auvergne. Et c'est important de montrer ce qui s'y passe. Et nous, c'est notre rôle en tant que connecteur, c'est de montrer les choses. Et l'autre chose, c'est qu'on va faire donc le petit studio Yaimi, non, double minute chrono. Ouais, non, c'est dur. Hein. Double minute chrono, là où il y a des affaires de moto. Et donc, si vous voulez venir présenter ce que vous faites et vos dernières actualités dans un format avec une double caméra, je vous pose des questions. Vous avez une petite vidéo qui sera ensuite diffusée sur nos réseaux. Merci beaucoup à vous d'être venus aussi nombreux, c'est chouette. On était hyper contents, enfin on est toujours très contents de vous avoir parmi nous. Je ne sais pas trop comment en terminer, je n'ai pas préparé ma chute. La séance est levée et c'est l'heure de l'apéro. Merci beaucoup.